Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs? Il ne s'est pas arrêté là, il a encore rajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs, ces tremblements de terre qui provoquent? Pour être le Rédempteur tout puissant, il fallait remplir les trois exigences. Pour être le grand sauveur du monde, il fallait remplir les trois exigences. Le ciel réclamait, même le Père réclamait, ou l'Église réclamait, et Adam a réclamé. Premièrement, il fallait un proche parent. Ensuite, il fallait une bonne réputation. Enfin, un homme riche, très riche, qui au ciel sur terre était digne. Et même la nature attendait impatiemment la manifestation. Goel. Prenons Abraham. Il mentit sur Sarah. Faisons passer Moïse. Il s'est fâché dans le désert. Prenons un peu Jacob, un puissant. Parlons de David, il était meurtrier. Que dirons-nous encore? Il manque même du temps. Et
et même la qualité de ce prix. Il fallait donner sa propre vie. Le sang d'Emmanuel, le prix de mon rachat. Qui pouvait donner sa vie et la reprendre? Question fut répondue en Jésus-Christ, mon très Dieu. En Jésus, la question fut répondue. En lui, les exigences furent remplies. En lui, le rouleau fut fermé. En lui, l'énigme fut résolu. L'amour est de ma vie. Il mourut pour moi. Le père de mes enfants. Le pasteur de mon église. Le ciel le réclamait.